Allez, attention les amis, spoiler alerte, concept de merde, cette vidéo est de la chier, on redescend, c'est parti, sensation maximale, on redémarre la machine, c'est parti, ouais. Je m'amuse beaucoup trop. Bon les amis, ce concept est pourri, mais je suis tombé dessus par hasard. Les amis, est-ce que vous connaissez cette chaîne YouTube? Ça s'appelle Studio Charlie. Au moment où sortira ma vidéo, et de toute façon, on le voit au niveau des vues, je pense que vous connaissez probablement cette chaîne YouTube, et c'est obligé, au moment où ma vidéo sortira, il y aura déjà d'autres YouTubeurs qui auront fait des vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors, je suis pas du genre à faire les vidéos, genre essayer de ne pas rire, réaction aux vidéos, machin et tout, mais cette chaîne YouTube est vraiment incroyable, elle est vraiment incroyable. J'ai découvert il y a 5 minutes sur mon téléphone en recommandation YouTube, genre les vidéos, c'est genre il y a des blind tests, il y a des trucs, quels sont les vrais prénoms des YouTubeurs, et le but du jeu c'est de répondre aux questions, voilà, c'est des petites questions comme ça, terminer les paroles, enfin c'est vachement, tu sais genre, n'oubliez pas les paroles avec Nagui quoi, c'est la même chose, c'est génial, il y a plein de trucs et tout, le mec qui gère cette chaîne YouTube s'appelle Charles, c'est incroyable, bisous à Charles, et je me suis dit, putain, on va faire une vidéo là-dessus, juste pour changer, juste histoire de faire ça, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire un blind test les amis. Genre j'avais vu cette vidéo, j'ai vu, je l'ai pas regardé et c'est ça que je veux faire, il est où? J'avais vu Colonel Ariel à quelque part, il est où? Parce que j'écoutais Colonel Ariel quand j'étais petit, j'ai trouvé ça drôle. Voilà ici, méga blind test de 1980 à 2019. À chaque fois il y aura une chanson et il faudra dire quel est l'artiste qui interprète cette chanson. Voilà, on va faire ça les amis, voilà. Concept de merde mais c'est pas grave. Nanana. Non, c'est Lio. Et voilà, j'ai un point. Je sais même pas c'est qui a chanté ça. Je sais pas c'est qui. Lionel. Voilà, ça pouvait que être ça. Je sais pas c'est qui. Voilà, je sais pas. C'est un. Oh là là, je vais me faire insulter. C'est un Doshin ou téléphone? Téléphone. C'était un Doshin. On va s'aimer, Gilbert Montagnier, un classique évidemment. Yeah, les droits d'auteur vont disparaître hein, sur cette vidéo. Hein. Enfin non, c'est la monétisation qui va disparaître, pardon, je me suis trompé. 5 points, ah non pas du tout. Envie de toi, Peter et Sloan. Ah c'est trop drôle, j'adore cette chaîne, ça y est, je suis fan. Traîne au bout de la nuit, Les démons de minuit, c'est qui? C'est Image. Ouais. S'il te plaît, début de soirée. Facile, facile. T'entraînes jusqu'au bout de la nuit. Ok. Oh, c'est pas la compagnie créole. Parce que la compagnie créole, c'est plus. C'est Boney M. C'est pas Boney M, c'est Zouk Machine. Zouk Machine. Je les ai tous dit. C'était Kaoma. Et danser le jerk sur de la musique pop, c'est Thierry Hazard. Et je l'ai pas dit au hasard. Hein. Évidemment, Mylène Farmer, un classique. Putain, j'adore cette chaîne. J'adore cette chaîne YouTube. Là, mais ça c'est Jordi. Dur d'être bébé, c'est Jordi. Yes. Putain, Jordi devient quoi Jordi? Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. Je connais pas. C'est ni Étienne Dao ni Marc Lavoine. Et les deux autres je connais pas, donc je sais pas. Charvet? Eh non, c'était Ripper. Je connais pas. Oui. Corona. Corona comme le virus. GTA 5 Forever. Michael Jackson, direct. Natacha Saint-Pierre, Natacha Saint-Pierre, 100%. Ah, Alizé. C'est une musique de série de cheval, ça. Je sais pas. Putain, j'avais un feeling sur Laurie en plus. Je sais pas, c'est... Au soleil, Jennifer. Jennifer, bien sûr. Ça, c'était en 2002. Bébé, ton corps, c'est gay. Camaro. Ouais. Allez. Hey. Axel F, au platine. Allez. Bang. Ah là, c'est bon, ça. Ouais, Axel F, du coup, hein, bien sûr. Crazy Frog. C'est Diams. Ça aurait pu être Marwa, là. Marwaloud, Marwaloud, non c'est Diams. Ma tête, c'est la Lady Melody là. Tom Fragile. Bien cosplay. Ah non, ça c'est le remake de Créo ça. Section d'assaut. Ah, la miniature. Oui, celui à qui tu te confies. Ah, c'est trop drôle. Celui qui partage ta nuit. 2012, c'était Psy! Bella, c'est encore Gims. Chella.
Elle faisait trembler tous les villages. C'était en 2013. J'ai l'impression qu'il y a une partie de ma vie qui a été coupée. Genre 2014 pour moi c'était genre il y a 2 ans. Mais on est en 2020. Il y en aurait Nekfeu. Mais pour moi ça s'était sorti avant Megan machin là. On ira faire un tour chez l'épicier. Ça m'a pas marqué cette année là. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Souffle. Y'a allez 2017. Big Flo et Oli. 2017. Ça fait 4 ans. Ariana Grande direct. Et bah je dirais que c'est MMZ. Je suis désolé, je ne connais pas. Je ne connais pas. Et c'était quoi? Et bah c'est fini, c'est fini. C'est génial. J'adore cette chaîne. Blind test musique de youtubeur. Oh. Oh ça c'est intéressant ça. Allez c'est parti, un point par bonne réponse. Ah bah oui. Il faut dire quoi? Il faut dire que c'est Norman. Norman, la chanson là, avec Mario Luigi là. C'est marrant. Oh pff. Oui bah donc c'est Squeezie et Joyka mais je sais plus le nom. Bye bye. Voilà. Ah parce que j'allais dire Mirador inconsciemment. Parce que Mirador c'est mieux. Je connais pas. Mais Yanatou. C'est sûr Yanatou. J'avais raison, je suis un monstre. Pas d'un pouce. Clash Cortex, Cyprien représente. Retourne à l'école. Tes vidéos on s'en tape. T'écris pas une ligne sans faire une faute. T'orthographe. Laisse-moi te tendre la main. Je te promets dans mon village demain. Ah mais c'est GameX13. Le temps que je comprenne. Elle était là-bas dans la salle des bains. Ça c'est le blédard. Ça c'est le blédard. Elle descend des pommes ça du les matins. Tous les matins. Elle m'a dit pousse-toi, donne-moi une chaise. Mais je l'avais vu ça en plus. Et parler des Mingway. Mais tu sais des bouquins, tu n'en écriras jamais. Je sais pas. Les cheveux et porte des. Mais non. Ah bah Division Ido Sponso. Et je sais plus c'est sur la chaîne de qui à la base. Si. Là, connard, super connard, Cyril. J'ai dit connard, hein. J'ai pas dit que c'était un connard, mais c'était du coup son pseudo super connard, qu'on soit juste bien d'accord. Squeezie, Squeezie. Voilà. En fait, je voulais pas dire de conneries, je voulais pas m'afficher. Mais pour moi, il y avait la voix de Squeezie, mais j'étais pas sûr, tu vois. Thibaut. Oh, elle était pas mal en vrai, la punchline, elle était pas dégueu. C'est quoi? Studio Bagel, Mister V. Eh, ça me faisait penser à Diggy Dix, un peu le style, voilà. Putain. J'allais dire Squeezie, mais c'est ça, je voulais pas m'afficher parce que j'ai que Squeezie en bouche, tu vois. Bon, bah voilà. Eh putain, c'est stylé en vrai. Bon, ça va en vrai, je suis pas non plus plus dégueu en termes de. Ça va, j'ai un peu les rêves quand même. Non, ça va en vrai. Très bien. Eh bah, c'est. Eh, franchement, en vrai, c'est super sympa. Cette chaîne, je vous la recommande. Studio Charlie, je pense qu'il va y avoir des belles petites pépites par la suite. Si vous voulez que je fasse des vidéos, genre un peu n'oubliez pas les paroles, genre on fait un jingle et tout, comme avec Nagui, je m'incruste avec Nagui, je sais pas, je trouve une connerie à faire, vous me le dites et on fera le blind test, ça peut être vachement marrant. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est vraiment une vidéo YOLO, hein, on s'en fout. Hein, J'espère que ça vous a plu en tout cas. On s'est bien amusé, dis donc. C'était MColo, rendez-vous pour prochaine vidéo. Ciao tout le monde.